C'est une photo nostalgique où l'on voit des enfants qui jouent, des cerceaux, un kiosque à musique, des uniformes au rendez-vous. C'est un cliché d'impressionniste que l'artiste n'a pas signé. Atmosphère Troisième République, au temps de Monsieur Poincaré. Des chevaux vont à la rivière, sous les grands marronniers en fleurs. Je reconnais les eaux tranquilles pour une journée de douceur. C'est une ambiance fugitive, c'est une image du passé. Souvenir pour collectionneur, tiré sur du papier glacé. Promenade, rendez-vous sur les quais. Quand la ville venait là pour rêver. Promenade, où sont tes pas perdus, orpheline aux pieds nus. C'est une France provinciale que la guerre a dû épargner. Ici rien ne traduit le pire, un enfant rit sous son béret. En s'approchant tout doucement, on pourrait entendre les pleurs d'une poupée de porcelaine qu'une enfant berce sur son cœur. Des élégantes vont et viennent, et ces messieurs ont des rondeurs. Sous des ombrelles trop fragiles, les belles cachent leur pâleur. Dans les gilets de velours gris dorment des montres à gousset. Souvenir pour collectionneur qu'on oubliait de remonter. Promenade, un coin le long des quais. Quand la ville venait là pour rêver. Promenade, où sont tes pas perdus, orpheline aux pieds nus. Des enfants jouent avec leurs ombres au soleil de l'après-midi. Les vieux parlent d'un autre temps devant la statue de Louvie. Les femmes courbées sur les banches au lavoir savonnent les draps. Tous les jours, même le dimanche, de la remonte au bain chinois. On ne saura jamais sans doute qui est l'auteur de la photo. Un nom me revient à présent, celui de Camille Langeau. René Lhuitin, longtemps boutique, qui a vu trois générations tirer des portraits de famille, de mariage et de communion. Promenade, rendez-vous sur les quais, quand la ville venait là pour rêver. Promenade, où sont tes pas perdus, orpheline aux pieds nus.